message du 22 août 2023 de la très sainte Vierge Marie donné à Henri, mystique de l'ordre romain de Marie reine de France. Henri, la Madone tient dans sa main droite le sceptre royal, dans sa main gauche l'orbe. Son chapelet se trouve accroché à sa ceinture. Son cœur est exposé sur sa robe parme. En contrebas, un planisphère attire mon attention. Au-dessus de sa tête, deux angelots tiennent une couronne surmontée d'une croix. La Sainte Vierge reste silencieuse, puis abaisse le sceptre vers le planisphère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La Madone. Loué soit mon Fils Jésus. Henri. Qu'il soit loué au ciel et sur la terre. La Madone. Mes chers enfants, vous êtes maintenant arrivés au début de la fin. Les fleurs épanouies se fanent. Les jardins se ferment les uns derrière les autres. Les différents clivages commencent à converger vers les points où vous verrez la cristallisation des premières heures. Henri. Un rayon puissant sort du cœur de la Madone, touche le Zimbabwe, l'Algérie, le Tchad, l'Angola, le Libéria, le Maghreb, la Somalie et le Mali. La très sainte Vierge pleure. Un autre rayon touche la Birmanie, la Thaïlande, les Philippines, la Colombie, le Pérou, le Honduras, le Venezuela et le Mexique. La Madone. Apportez réparation pour tous ceux qui sont encore loin, incapables d'apercevoir le bien incalculable opéré par l'enseignement du grand message de réparation. Mes enfants, priez pour savoir comment témoigner de mon message jusqu'aux extrémités du monde. Soyez la voix qui parle, la main qui agit et le cœur qui aime. Henri, la Sainte Vierge reste silencieuse. La Madone, mon tendre fils, héritier de mon cœur immaculé, tout a commencé par mon intervention et tout se consumera par le même chemin. Vous garderez dans votre cœur ce que je vous ai montré. À très bientôt. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.